Beaucoup d'autres l'ont déjà fait avant moi. Non, mais ça, c'est du. Massacrer ces millions de juifs et pas seulement. Les hauts potentiels, c'est que je dois faire marrer les psychanalystes, mais j'adore. C'est psychiatre, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup. Enfin, les psychanalystes, c'est comme les autres, c'était tout cool. Bon, je sais pas, ça serait trop facile. Théorie, quand on commence à se retenir, à être capable d'aller. Malheureux.
au potentiel, parce que je reprends la série. J'ai plus les pieds en rien. J'ai encore le souci. Ouais, je peux faire ce que je veux. Et quand je reprends cette série, mais la définition du potentiel, c'est en fait d'être autonome. Concernant l'autonomie, si on enlève son autonomie, il peut mourir le jour au lendemain. Sans même se prévenir lui-même. C'est très très dur. Donc il acquiert très très vite la propreté, très très vite le langage, mais comme il se rend quand même bien compte qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n'est pas à lui, tout à fait. Il est autonome, mais on lui a bouffé un coin de son autonomie, parce que l'autre, il a quand même transmis la parole, et puis à l'époque, on a dit, oh, t'es propre, c'est super. Ouais. Moi, mon grand plaisir, c'est d'être. Donc des fois, le haut potentiel se retient par le bas. Je pense que dans les illustrations, chanter ma chanson sur... ou alors être dans une pièce de théâtre.